Hello, bisalam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. Reviens avec Jim pour les vlogs. I'm talking. Why do you have to talk in the middle of the conversation? English in front of them. Yes. Ça, la bandille, là. Say hello. Hello, say hello. 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 Ça ne s'arrête pas. Donc désolé, le dernier vlog qu'on avait fait, c'était lorsque j'étais parti en vacances au Mexique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce vlog? Que le boulot. La situation du Covid se calme de plus en plus ici, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne commencent pas avec leurs lois, comme les passes sanitaires et tout. En Californie, il commence à vraiment être chiant de plus en plus, mais on ne le sent pas encore. Ce n'est pas comme chez vous et en Australie où il y a le bordel en ce moment. Ce que j'ai fait depuis les vacances, c'est que j'ai continué à travailler comme un fou sur mes plans, mes objectifs pour le futur, sur son éducation, parce qu'il faut faire ça, sur le développement des formations avec mon assistant Angelo. Jusqu'à maintenant, on a 35 coachs qu'on est en train de former. Ils vont passer leur diplôme dans pas longtemps. Je suis vraiment, vraiment excité pour les voir finalement être diplômé de notre école. Je vais partager avec vous aussi le design du diplôme et les choses qu'on est en train de faire. L'autre chose aussi, on a créé une super formation pour les personnes qui ne veulent pas devenir coach, qui veulent vraiment ne plus dépendre sur des coachs lambda qui sont en train de les arnaquer en prenant beaucoup d'argent de leur part et ne pas leur donner des bons programmes. Donc ce qu'on a fait, au l'idée qu'on a eue, c'était de vraiment créer des petites formations pour eux. Comme ça, ils ne vont pas se retrouver en train de payer des prix exorbitants pour des programmes qu'ils peuvent avoir de chez moi ici sur YouTube gratuitement. Donc on a ça à faire. L'autre chose, bien sûr, c'est j'ai pas trop partagé sur Instagram, si vous avez remarqué, parce que il y a tellement de boulot, comme je l'ai dit. Je suis en train de travailler sur ma nouvelle shape. Pourquoi? Parce que il y a un projet que je suis en train de travailler sur. Je vais pas partager ça avec vous. Mais ça va concerner les personnes plus de 40 ans et 50 ans. Parce que j'arrête pas de recevoir... Hey, I'm trying to talk. J'arrête pas de recevoir des emails de leur part. Ils galèrent avec leur entraînement, avec leurs blessures, avec leur santé. Donc, je veux faire quelque chose de spécial pour eux. Donc, je suis en train d'expérimenter avec une nouvelle diète. Que ça marche super bien sur moi. Donc, je vais partager avec vous ça. Et il y a aussi les séances d'entraînement que je suis en train de faire parce que j'ai tout changé. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de me mettre ma main comme ça. Allez, on enlève la main. Donc, j'ai changé beaucoup de choses. Donc, je vais partager avec vous. Après ça, on va aller faire des recettes de chocolat et de bonbons avec elle parce qu'elle veut faire ça. De temps en temps, je lui fais plaisir par rapport à partager la cuisine avec elle. Et c'est des moments spéciaux avec nos enfants. Ils vont tout le temps se rappeler de ça. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'elle veut faire, c'est faire fondre le chocolat. Et après, faire ses bonbons avec... ça, c'est des... c'est des fruits. Airheads. So what they call? Airhead bites. Airhead bites. What they call? Airhead bites. Okay, so you're gonna put them all there, right? So you can start put them one by one. Go ahead. Okay. You can like skin. Okay, I don't think they're gonna fit though. Okay, keep moving. Okay. Nice and slow. They fit. Okay. Me to help you? Ok. Donc, on va faire ça rapidement, comme ça on ne va pas rester ici toute la journée ou la soirée parce que je vais aller dormir. Mais juste pour vous dire, je ne sais pas comment que ça va être. Hein. C'est ses idées. Ok, ok. Jelly beans. Ok. Jelly beans. Ok. Donc, après avoir fait ça, you can bring the camera up a little bit here. Moi, je vais vous parler un petit peu. Donc, so why do you like doing this? Because I got it from the iPad. You got it from my. Why do you like stuff like this? Because it's fun. You like doing this? Pourquoi tu aimes faire ça? Mais c'est parce que c'est cool de le faire. Et passer du temps avec les enfants. J'ai pas besoin de vous le dire pour les parents qui le font. C'est très très important. Ça, c'est les moments qu'ils vont jamais jamais oublier dans leur vie. Et c'est pour ça qu'on le fait. Ok, on arrive. Donc, ayez de la patience avec nous. Ça, bien sûr, elle mange la dernière. So, we're missing one. So,
elle prend une dans sa bouche, elle la mange et après elle me dit il manque une. Donc ce qu'on va faire, on va fendre ça, faire fondre le chocolat et on va vous montrer le résultat dans pas longtemps. Non, après on va le mettre go back up here. On va faire fondre le chocolat et après on va le mettre sur les bonbons, ok. Et après on va vous faire montrer le résultat après, ok. Let's go. Maintenant que le chocolat est tout fondu. So now what are you gonna do? Hey, wait for it. Wait for it. Okay. Wonderful. Okay, now you can grab it like this. How are you gonna grab it? Grab it like that. Like this. And you're gonna put it like this, just all over. I don't know if this didn't taste good. I don't know, man. C'est ce qu'elle veut faire. That's good. Du n'importe quoi, mais c'est l'essentiel. All that candy, she's probably not even like it. You know. We have to spread it. You know it's coming. Regarde, deux femmes, tout le monde est chef. I'm trying to do something good here. And then you're gonna go like that. That's the secret. See that? See that? Oops, coming on the sides. Les chefs pâtissiers sont en train de me regarder en ce moment. Je dis, qu'est-ce qu'il fait lui? All the people who cook, they're gonna go, what the heck? Let me spread it! Hang on! All the French pastry chefs, they're gonna be like, yeah, spécialement, tous les pâtissiers qui sont en train de me regarder, qu'est-ce qu'il fout lui? C'est dégueulasse. Je sais que c'est dégueulasse, mais c'est ce qu'elle veut. I want to spread it. You're ruining a good Okay, you're spreading it. Good, huh? Okay. Spread. All right, that's cool. Don't make it worse. You can lick this. Okay, bien sûr. Voilà, ça c'est le meilleur moment pour assister à ça. Maintenant, on va foutre ça dans le congélateur, ok? Et on va voir comment ça va sortir. Ça y est, on va vous montrer lorsque je la ferai sortir du congélateur. Chocolat, elle pète à la fin. Why do you have to fart in the middle? Désolé. Ferai sortir du congélateur. There's people watching there. Can't believe you farting, man. Voilà. Don't fart. I swear to God, je suis en train de dire ne pas péter. Ça. Hi! It's not funny! Voilà. Oh! Oh! Regardez-moi ça. See, I told then you. Then you're gonna eat. Voilà, comme ça. Oh, that's kinda cool. Yeah, it is. Un. Deux. Green, red. Trois. Green. Three greens. Quatre. She can have one bee. One. Just one. Hmm. I'm gonna take one. Ow! You good? I don't know. That's not a very good combo. What did it melt? Est-ce que vous laissez ça fondre dans votre bouche? C'est super bon. Okay. So hard. I'm gonna take another one. You good? Please. Prenez une autre. Demain je vais jeûner, mais c'est lundi. Lundi, jeudi on jeûne. Je suis en train de travailler sur l'examen pour mes élèves. La semaine prochaine, on a à peu près une vingtaine de coachs qui vont passer leur examen pour avoir leur diplôme de coach élite, GM Corps. Ça fait des années que je suis en train de travailler sur ce contenu. Rapidement, pour vous raconter l'histoire, je ne veux pas rester trop ici. À chaque fois que je venais en France pour faire les formations et faire les séminaires, tout le monde me demandait de faire des formations en ligne. Je n'avais pas le temps. Mais le Covid, pendant un an, tout ce que j'ai fait, j'ai écrit tout le contenu. On a 35 coachs, GM Corps, Elite Coach. Ça, c'est les coachs qui veulent se démarquer des autres coachs. Je leur apprends tout ce que j'ai appris dans ma carrière pour devenir des coachs élites. Et c'est ce qu'ils doivent faire dans pas longtemps. Donc, ils doivent passer par un examen de 200 questions en 90 minutes. Ils ont fait une formation de 5 mois.
C'est très, très dur. Donc, ils sont en train de bosser. Donc, pourquoi je suis en train de vous raconter tout ça? Il y a un élève qui est en train de stresser comme pas possible. Il m'a dit comme quoi qu'à chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose, spécialement comme maintenant, par exemple, en train de réviser, il y a toujours des personnes qui le rabaissent. Comment que je dois réagir à ces personnes? Et ça me stresse de plus en plus. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui dis exactement ça. Si tu réponds à ces personnes, tu es en train de les aider. C'est ta faute de leur répondre. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que la personne qui a du succès, est-ce que vous croyez qu'elle va prendre le temps de rager ou vous rabaisser? Non, parce qu'elle est en train de réussir. Elle est en train de prendre toute son énergie et en train de faire les choses qu'elle doit faire dans sa vie. Les personnes qui n'ont rien à faire dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font? C'est parce qu'ils sont en bas, ils passent tout leur temps et leur énergie à rabaisser les gens et les ramener à leur niveau. Donc, si vous les écoutez, vous êtes en train de les valider. La première chose à faire, c'est de se rappeler de ça et rester là avec votre travail, votre discipline et votre vision de réussir et ne pas descendre en bas là où c'est obscur et déprimant. Restez en haut avec les personnes qui sont en train de réussir et faire les choses dans leur vie. Les Lubist, super, super routine que je viens juste de filmer. Vous l'avez déjà vue. Je l'ai déjà partagée. C'est celle des pecs dorsaux, abdos en triceps. En ce moment, ma forme, je suis très, très content. Je commence à vraiment sécher de plus en plus par rapport à ce que je suis en train de faire. Les petites poignées d'amour, là, elles commencent à partir. Ouais, elles commencent. C'est une poignée, c'est ça. Commence à partir, donc je suis très très content. Je continue à souffrir, je continue à faire les choses proprement. En ce moment, vous allez poser cette vidéo et dites-moi quelle est la partie de corps que vous aimez travailler. Quelle est la partie de corps que vous détestez travailler. Comme ça, Djamo, il va commencer à focaliser sur ces parties de corps et vous apprendre des super astuces. Vous avez vu ce que j'ai fait dans la vidéo des triceps. Vous avez appris beaucoup d'astuces. Donc, c'est à vous de me donner des idées parce que je suis comme le iCloud. Le iCloud, je reçois des idées dans ma cervelle et c'est comme ça que je les manifeste par rapport à des vidéos que vous allez vraiment, vraiment apprécier. Let's go et on continue avec le vlog. Rapidement, je voudrais partager quelque chose avec vous. Parce que j'avais 18 ans, j'ai commencé à faire de la musculation. Et j'étais obsédé par les magazines de musculation. Le monde du muscle. Et toutes les personnes qui ont lu Le Monde du Muscle, qui sont en train de me regarder, savent l'importance du Monde du Muscle lorsqu'il sort chaque mois. Donc, à chaque fois que je partais en France, chez mon oncle, pour passer 2 semaines chez lui, j'allais à la rédaction du Monde du Muscle pour acheter tous les numéros. Donc, j'économisais comme un fou. J'avais une super collection dans une rayure. Personne ne pouvait les toucher, ni mon frère, personne. C'était un trésor pour moi. Et ça s'est avéré que 7 ans après, il m'invite à, lorsque j'ai commencé à gagner de l'ampleur dans le monde de musculation, le monde du muscle m'avait invité pour être sur la couverture du monde du muscle. Ils ont fait beaucoup, beaucoup d'articles sur moi. Et bien sûr, c'est comme ça que j'ai été découvert par les Américains, parce que les Américains, ils vendaient toutes leurs photos au monde du muscle. Et lorsqu'ils ont fait l'article sur moi, c'est comme ça qu'ils m'ont repéré. Ils m'ont invité à venir ici aux États-Unis. Et c'est de là que ça a explosé. Ma carrière avait explosé, pardon. Pourquoi je suis en train de vous dire cette histoire? Donc, j'ai toujours dit à ma mère de garder ma collection à la maison. Personne ne la touche parce qu'un de ces jours, je reviendrai pour la prendre. Et lorsque j'étais parti pour la première fois en Algérie après 17 ans, 18 ans, depuis que je l'avais quitté, j'ai vu ma collection, elle était là-bas. Donc, je n'ai pas eu le temps de la ramener avec moi, mais lorsque j'étais parti la dernière fois, elle avait disparu comme ça. Et on n'arrivait pas à la trouver. Donc, ça m'a vraiment, vraiment chagriné. Et ça m'a fait chier parce que c'est quelque chose de très, très important pour moi. C'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis arrivé, jusqu'à maintenant. Donc, on n'arrivait pas à la trouver. Donc, mes deux frères, un a dit, c'est lorsqu'il a pris, et lorsque, sinon, je ne l'ai pas pris, c'est lorsqu'il a pris. Donc, je ne vais pas vraiment, vraiment continuer à vraiment chialer comme une fille. Donc, je me suis mis dans la tête qu'il faut que je réachète toute la collection. Donc, ça me coûte une fortune en ce moment. Je vais sur eBay et j'achète tous les anciens mondes du muscle. 20 euros, 17 euros. Donc,
pour la recollectionner et je viens tout juste de les recevoir. Et ça, c'est du bonheur. Ça sent l'ancien. Oh, comme celui-là, par exemple, il est sorti en 1980. Sérieux. Celui-là, il est sorti en 1983. Celui-là, 1983, 1984, 1985. J'en ai qui sont sortis en 1974. Donc, je suis à la recherche des mondes du muscle état 9. Donc, les personnes qui ont une collection de mondes du muscle du numéro 1, et ils veulent les vendre, mais il faut qu'ils soient en super condition. Rentrez en contact avec moi. Je les achète de vous. Donc, ça, c'est le premier paquet que j'ai reçu aujourd'hui. Je suis très, très content. Et ça, c'est le deuxième paquet. Donc, j'ai fait la connaissance de quelqu'un sur eBay. Il est super gentil. Michel, s'il est en train de regarder cette vidéo, merci, super gentil. Il est en train de m'aider à les recollectionner tous. OK? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je voulais partager ça avec vous. Parce que je sais que, des fois, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie qui nous font rappeler le bon vieux temps. Et lorsqu'on les a, on les garde. OK? Feel good. Commence à faire froid ici chez nous. Enfin, le froid qu'on a ici, chez vous, c'est l'été. Fatigué aujourd'hui comme pas possible. Pourquoi? Lorsque Jim m'a fait sortir son bonnet, ça veut dire quoi? Il fait froid. Super fatigué. Parce que ma diète, et je me suis retrouvé en train de oublier que des fois il faut que je fasse des recherches glucidiques pendant 2 jours. Et je l'ai oublié, j'ai complètement oublié parce que je me suis emporté, comme vous dites, avec le boulot. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, enfin, ça a commencé hier. Hier, au milieu de la journée, vers les coups de 11h midi. Je ne pouvais même pas fonctionner. Et comment je le sais? Le matin, je suis arrivé ici et j'allais m'entraîner comme d'habitude. Tout d'un coup, j'étais assis comme ça. Je ne voulais rien foutre. Rien. Motivation, vous rappelez. Ce n'est pas la motivation envers le travail ou l'entraînement, mais c'est à cause de la fatigue. Vous vous rappelez, on avait fait la vidéo sur la motivation. Pourquoi vous parlez de la motivation? Et une des causes, c'est le fatigue surentraînement. Et là, vous commencez à ne plus vouloir faire les choses. Donc, j'étais assis comme ça pendant 1 heure, en train de glander, comme vous dites. Le français, des fois, il revient. Et moi, je me suis dit, voilà, je vais aller m'entraîner. Je vais commencer d'abord avec du cardio, juste pour commencer à suer, pour déclencher et démarrer tout. J'ai fait 45 minutes de cardio. Après, je suis parti sur... dans la salle pour commencer à m'entraîner en train de glander. Alors, je dis ok, sur entraînement. Donc, j'ai rien fait hier. J'ai pris la moitié de la journée repos. Je suis rentré à la maison. J'ai commencé à manger. Aujourd'hui, je vais augmenter mes glucides beaucoup. Je vais voir comment je vais me sentir demain. Et si je vois que je commence à reprendre un petit peu, je m'entraîne. Sinon, si je vois que je ne suis pas en train de reprendre, je prendrai encore une autre journée de repos. Et je continue. Juste pour vous dire. Ça arrive à tout le monde, même moi. Malgré qu'il y a en quelque sorte une culpabilité envers le boulot que vous faites. Parce que vous, des fois, ça m'arrive de dire « Ah, il faut que je bouge ». Je suis en train de rater. Non, des fois, il faut revenir en arrière et se reposer. Parce que ça fait du bien. Et quand vous voyez, regardez, je suis bien rasé aujourd'hui. La crème. J'ai un super breakfast. Un super breakfast plein de bonté. Comme vous êtes en train de regarder en ce moment. Regardez-moi ce bonheur de la cannelle, des fruits rouges, de la protéine en poudre et des flocons d'avoine. C'est super bon.
Je vais détruire ça maintenant. Et après, je crois que je vais appeler Chris Keller. Je crois que j'ai deux analyses à faire avec deux clients aujourd'hui. Et j'ai la nouvelle formation qui... Une nouvelle classe d'élèves qui commence. Attendez, je vais aller dans ma section de réservation de meeting en ligne. Ouais, j'ai deux analyses et deux classes à enseigner aujourd'hui. Et je dois filmer une vidéo, combien de séries pour les abdos super secs. Et je dois faire le montage. Et si je vois que je peux faire tout ça aujourd'hui, enfin, les classes et les analyses, ça, c'est déjà réservé, on va les faire, Inch'Allah. La vidéo, je crois que je vais voir par rapport à mon énergie. Parce que comme vous savez, l'énergie est très très importante devant la caméra. Si je me sens vraiment, je la fais. Ok, et on continue. Entraînement, épaules, biceps, triceps, abdos. Donc ça c'est un circuit. Je suis dans la deuxième section d'exercice. Regardez comment je prends mon temps avec les exercices. Je focalise sur l'isolation. Là, je vais sur les obliques. Serratus. De là, c'est les triceps. Donc c'est un travail continu. Regardez comment je travaille, pas très très lourd. Suffisamment lourd pour engager juste mes triceps. Travail de qualité. Ça, c'est un circuit. Je fais 4 en augmentant le poids. Pas juste partager mes entraînements, mais aussi mon état d'esprit. La semaine passée, j'ai eu un surmenage. Donc, comme vous avez vu, j'ai déjà parlé de ça auparavant. Cette semaine, je commence à récupérer tout doucement parce que j'ai pris du repos. J'ai augmenté mes glucides parce que je suis en pleine diète. Et lorsque l'on commence à récupérer automatiquement, le moral commence à revenir. Mais il faut apprendre à identifier ces signes que votre corps
est en train de communiquer à vous. Et c'est très important de vraiment avoir cette connexion avec votre corps. Et des fois, on ne la reconnaît pas lorsqu'on n'a pas l'expérience, lorsqu'on a un chamboulement hormonal. Toutes ces situations de déprime que vous avez au manque de motivation, la plupart du temps, c'est hormonal. Et la plupart des gens ne savent pas ça. Ces situations peuvent vous pousser à penser que vous n'allez jamais réussir dans la vie, vous êtes en train de perdre votre temps, vous allez vous retrouver sans rien. Et c'est toujours ces trucs où on attache le plus d'attention. Parce que, soit que vous êtes célibataire ou vous êtes marié, il y a toujours quelque chose qui vous fait chier. Cette chose, c'est ne plus avoir... c'est quoi le mot en français? Ne plus avoir cette façon de vivre et d'être heureux. Parce qu'à la fin de la journée, être heureux, c'est exactement quoi? C'est être capable de vivre une vie où on a toujours le sourire. Et comme j'arrête pas de le dire, c'est notre entourage qui va nous permettre d'avoir ce sourire. Les personnes avec qui on parle, les choses qu'on voit, les choses qu'on écoute, notre façon de voir la vie et pourquoi on vit notre vie. Et si on se pose des questions, on a toujours les réponses à nos questions. Dans ma situation, je suis passé partout dans la vie. Vouloir devenir un culturiste professionnel, j'ai réalisé ça. Réussir dans le business, j'ai réussi ça. Maintenant, la chose qui me fait vraiment bouger, c'est plutôt réussir en tant que papa et père de famille. Parce que tout change avec le temps. Pour les gens qui sont en train de me regarder maintenant, peut-être votre but, c'est d'avoir un joli corps et ressembler à Jérémy Bondia ou je sais pas moi, Chris Bumstead. Mais dès que vous commencez à gagner de l'âge, vous changez. Les personnes qui ont mon âge, qui viennent juste de se marier ou qui viennent tout juste d'avoir un enfant, pensent différemment. Et le plus j'avance avec cette chaîne de YouTube, le plus il y a certaines questions que je me pose et il y a cette voix dans ma tête qui me dit toujours la même chose. Jamo, parle-leur des choses qui vont les faire avancer dans cette vie. Certes, ce qu'on fait, la musculation et l'éducation est importante pour les choses, pour votre corps, pour votre santé, pour votre état d'esprit. Mais ça reste, on fait ça pour avoir une meilleure vie, une vie heureuse, parce que si on est en bonne santé, on se sent bien automatiquement. Si on le fait pour les bonnes raisons, automatiquement, on va être heureux. Donc je voulais partager ça avec vous. Et l'aventure continue cette semaine, milieu de la semaine mieux. Beaucoup, beaucoup de problèmes avec le business, c'est toujours, ça ne s'arrête jamais. La plus grande frustration, c'est essayer de vraiment faire comprendre aux gens, spécialement mes élèves, pas tous bien sûr, que l'importance est toujours dans l'éducation. L'éducation est très très importante pour eux, que vous puissiez avancer dans ce que vous voulez faire. Et beaucoup d'élèves prennent des abonnements ou font des mini-formations, mais ils ne suivent pas. Ils commencent, ils sont excités, après ils ont quelque chose dans leur vie qui arrive et tout d'un coup, ils s'arrêtent ou ils ne veulent pas continuer à cause de certaines choses qui sont passées dans leur vie ou parce que hormonalement, ils ne se sentent pas bien. Et c'est très important qu'on partage ça. Et c'est pour ça que je suis très, très excité de faire les podcasts avec des personnes spéciales. Je commence à inviter des personnes très, très intéressantes pour partager leur vie, leur façon de voir les choses dans la vie. Hassan est un des personnes que j'adore vraiment discuter avec parce que il est comme moi, on est passé par tellement de choses lorsqu'on était jeune pour réussir. Il y a aussi Nassim, je viens juste de voir leur podcast, leur vidéo ensemble. C'était vraiment, vraiment très inspirant. Et tout ce qu'il disait, c'est très, très important pour les personnes. Donc, je vous invite d'aller voir la vidéo. Donc, les podcasts arrivent. On va essayer de faire un chaque semaine. Je les publierai, Inch'Allah, le dimanche soir.
Je sais, la plupart de vous, chez vous, sont à la maison pour que vous puissiez commencer la journée ou la semaine bien. Ok, donc je vous laisse, je continue à m'entraîner. Et l'aventure continue. Bilbo. Les globistes, on revient. Aujourd'hui, je suis à mon restaurant favori de sushi pour me recharger en glucides parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Et comme vous avez remarqué, au début de la semaine, j'étais un petit peu fatigué. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment mangé un cheat meal et mes calories étaient bas pendant un bon bout de temps. Donc aujourd'hui, je vais augmenter encore plus mes glucides durant ces 3 jours. Ce soir, je vais prendre un cheat meal avec Aya. C'est juste de la pizza. Donc, lorsque vous partez dans des restaurants de sushi, vous ne savez pas une chose. La plupart de vous, que le riz qu'ils utilisent, c'est un riz, ils mettent du sucre dedans pour que ça puisse coller. Donc lorsque je viens ici, je leur dis de ne pas utiliser le sucre, de me mettre du riz à la vapeur. Ils peuvent le faire. Hein. Donc il n'y a pas de sucre ici et c'est super, super bon. Et ça n'augmente pas votre consommation calorique. Donc faites très, très attention. Lorsque vous êtes dans, lorsque vous allez à un restaurant de sushi, vous leur dites d'utiliser le riz à la vapeur. Je ne sais pas s'ils vont le faire en France, mais ici, on est aux États-Unis, ils font tout pour le client. Lillahi. Good. Ummatan. Good. Hujjatan. Good. Millatan. Lakinnahu. Good. Izzatan. 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 Good. قربه That's it. قبله Show them, look at them. Regardez ma ce bonheur. Un petit peu de donuts avec... Il a l'air d'un frère musulman. Mais c'est un Arménien. C'est un de mes clients. Je l'ai entraîné lorsqu'il avait 15 ans. How old are you now? 25. Ça fait 10 ans que je le connais. Il a commencé avec moi lorsqu'il était jeune. Maintenant, il est riche. 10 years. 10 years, man. Ça fait 10 ans que je le connais. OK? Yeah. Maintenant, il est... So, what do you do now? So, cryptocurrency. That's what you do, right? On the side. On the side, I do crypto. Pour le business, I work in pharmaceuticals. Ah, il travaille dans le domaine pharmaceutique. Pharmaceutique, c'est ça. Dimanche matin. On est en train de lui faire des pancakes. Et de l'autre côté, il y a du café. Ces pancakes, ils sont roses. I'm trying to cook something, woman. Des pancakes roses pour les enfants. Non, moi je ne chauffe pas ça, c'est sa maman qui lui a acheté ça. Make two. Make two. Which one? Donc le dimanche matin, on se réveille. C'est le seul matin où je me réveille à 6h, 5h30, 6h. Pour la prière. Aujourd'hui, donc la première des choses, là il y a la prière et après. Okay. Yeah, hey, I'm talking. Hang on, let me just, I'm gonna show you a pancake in a minute. It's coming. Il y a la prière, et après il y a le football. Manchester United aujourd'hui vont jouer contre Liverpool. Et en ce moment, je suis en train de paniquer comme pas possible parce que ça là, en ce moment, il est incroyable. Comme vous le savez, ça là, vous connaissez, contre Ronaldo, pour moi, c'est le meilleur joueur dans le monde. Donc les fans de Messi ne commencent pas à pleurer. Parce que si on commence à rentrer dans les arguments, on va rester ici toute la journée. Ok? Pour moi, Cristiano, c'est le meilleur sur tous les plans. Messi, il est incroyable aussi, mais c'est un don. Il reste avec le même club pendant 20 ans. Il ne s'est jamais aventuré autre part. Maintenant, il est avec Paris Saint-Germain. Bien sûr, on va voir ce qu'il va faire. Mais malgré ça, Paris Saint-Germain, pour moi, c'est un club... Hein? Trop de qualité, c'est que de l'argent.
Oh, maintenant, je vais me faire détruire dans la section des commentaires par les supporters de Paris Saint-Germain. J'en ai rien à foutre. Donc, en ce moment, il n'y a que des pancakes roses qui vont sortir d'un peu. That's nice, that looks good, eh? You like that? Elle a grandi, vous avez vu comment elle a grandi? Hey, don't stop doing that. Hey, I'm gonna pat my feet. What? I'm gonna pat my feet. Is that good? That's good? No, a little bit. Ready, muscle. Ready, muscle. Ready. You want another one? Yep. Madame Nizar, you might wanna have another pancake with her. You might wanna have a pancake with her. I don't know what's this pancake, pink pancake, the pancake rose. Because it's a unicorn pancake. Unicorn. Les unicorns. Don't touch that. Let it just settle down. On touche tout. Demain, je vais jeûner. Et je vais d'abord vous parler. Après le match, ils sont en train de paniquer comme pas possible en ce moment. Liverpool, Manchester United, ils ont intérêt à vraiment commencer à bien jouer. L'autre est en train de se foutre de ma gueule. À bientôt. Pas de commentaires. Je vais même pas parler. Lundi, je suis en. Il pleut comme pas possible en ce moment. Et là, je suis en train d'attendre un message de Foukra, Enzo, parce qu'on doit faire un podcast ensemble. Je vais commencer les podcasts, Jamcast. Je vais partager avec vous le logo, il est super cool, dans pas longtemps. Mais la raclée qu'on a eue de Liverpool hier. Mais j'ai rien compris, moi. Une raclée, une panée. Salah, il a, pour les gens qui suivent le foot, hein, Salah, il a marqué 3 buts. Il était incroyable. Je le savais d'ailleurs. Je vous ai dit, hein, durant les pancakes, je le savais. J'avais un pressentiment. Maintenant, soit viré. Le coach, l'entraîneur, Oli, et ramener Zidane, on est foutu. Parce qu'en ce moment, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Et j'ai stressé comme pas possible. Après, je suis parti m'entraîner. Je voulais vous filmer l'entraînement que j'ai fait. Ah, après, j'ai dit, ah, je vais pas le filmer. Je faisais la gueule. Donc, je partage avec vous le logo que je viens tout juste de recevoir. Vous me dites ce que vous pensez. Attendez, attendez, j'arrive. Alors, c'est ça le logo qu'on va avoir pour le podcast. Ça s'appelle Jamcast. Donc, il y a cette version. Il y a cette version. Et il y a cette version. Donc, on va jouer avec. Il y a le corbeau qui me fait chier d'or. Désolé. Donc, vous me dites ce que vous pensez. Super cool. On arrive à la fin du vlog, bien sûr. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Super gentil. J'espère que les choses que j'ai partagées avec vous, ça vous a motivé et ça vous a fait passer du bon temps. On continuera avec les vlogs, mais ils ne vont pas sortir chaque semaine parce que ça prend du temps avec tout ça, la vérité. Et je ne vais pas filmer du n'importe quoi comme je l'ai dit auparavant, donc je filme des choses intéressantes. Okay? Ma vie continue à se développer de plus en plus par rapport aux choses que je suis en train de faire, ma famille et tout. Je ne voudrais pas juste poster du n'importe quoi. Je continuerai à poster des choses intéressantes, peut-être des choses que vous allez vous identifier à, de français qui tard. Donc, laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de ce vlog. Et je vous vois la prochaine fois, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Good.